allez bien? Je vais réessayer. Vous allez bien, l'église? Alors, je vois beaucoup de chaises vides là, au plein milieu de mon champ de vision. Donc, j'encourage les personnes qui sont au fond de la salle d'avancer, s'il vous plaît, au milieu, ou de tout le monde d'avancer de cran là. Comme ça. Je vois bien vos visages, vos sourires, vos beaux sourires. Ça va, vous êtes en forme ce matin? Are you okay this morning? Bah franchement, avec un temps de louange pareil, comment ne pas être en forme, j'ai envie de dire. With the time we just had, n'est-ce pas? I mean. Je vais rajouter une petite annonce à ce qui a été déjà dit. Et je peux le faire en français vu que le guide sera seulement en français, enfin la visite touristique. Donc vous avez entendu parler du voyage en Israël. Donc je demande aux personnes qui n'ont jamais été en Israël de lever la main. Waouh, ça a fait un paquet de monde. Mais vous savez quoi, on n'a que 13 places et on espère clôturer les inscriptions d'ici le 15 décembre. Donc ça, c'est dans pas longtemps. Donc votre mission, ce sera d'aller à notre stand qu'on va tenir à la fin du culte, qui sera tenu par Catherine Pierre-Léandre, au fond de la salle. J'imagine que vous avez peut-être plein de questions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos coordonnées et on va prendre contact avec vous dans la semaine pour répondre à vos questions. Mais ça va être un voyage vraiment extraordinaire, le premier voyage en groupe organisé par les pasteurs Robert et Catherine en Israël. Et c'est vraiment un tarif très abordable pour 1 700 €. Il y a l'avion qui est inclus, l'hébergement, pension complète. Enfin vraiment, c'est une occasion incroyable. Donc je vous encourage vivement à aller voir Catherine Pierre-Léon à la fin du culte pour renseigner vos questions, ou si vous êtes prêt à vous inscrire, allez directement sur le site internet et vous inquiétez pas, il y a une possibilité de faire des paiements en plusieurs fois. Voilà, on va pas demander 1 700 € d'un coup. Donc je vous donne, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi des fois j'ai plein de questions comme ça qui me bombardent la tête, donc j'aime bien avoir tous les détails. Voilà, donc on va en Israël, oui? Amen. Ok, je vais remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta merveilleuse présence, Papa. Thank you, Lord, for your wonderful presence. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux qu'on a déjà eu, Seigneur, avec toi ce matin. Thank you for this time we already had with you this morning, Lord. Seigneur, je sais que vraiment aujourd'hui tu nous appelles à te connaître davantage. I know that you call us to know you more, Lord. Apprendre davantage qui tu es, Seigneur. To learn more about who you are. Et à aller plus loin dans notre intimité avec toi, Seigneur. And to go further with you, Lord. Donc maintenant, Seigneur, je te demande vraiment d'ouvrir nos cœurs. I ask you to open our hearts, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, our spiritual ears, pour que nous puissions vraiment entendre ta voix de façon claire et nette, Seigneur. So that we can hear your voice clearly, Lord. Seigneur, on veut entendre ton cœur ce matin. We want to hear your heart, Lord. On veut entendre, Seigneur, les battements de ton cœur. We want to hear your heart beat, Lord. On veut entendre, Seigneur, ce que tu veux dire à ton épouse ce matin. And what you want to say to your spouse this morning. Donc, Seigneur, je te demande de nous donner un esprit de révélation. Give us a spirit of revelation, avec un esprit de sagesse, with wisdom, dans toute la connaissance de Christ. In all the knowledge of Christ. Nous sommes à toi ce matin. We belong to you this morning. Fais tout ce que tu veux, Seigneur. Do everything you want. Dans le nom de Jésus, et tout le monde a dit Amen. Amen. Bonjour en fait. Salut. C'est pas vu, ça va? C'est vrai. Alléluia. Alors, je vous avoue que, comme très souvent, j'ai eu plein de thèmes différents à cœur pour à vous partager ce matin. So, just to tell you, I had a lot of thoughts to share this morning. Et en fait, un thème qui, finalement, le Seigneur travaille un petit peu dans mon cœur depuis les mois d'été. And there is a subject that the Lord is working in my heart. C'est la notion de culture. This is the notion of culture. Donc, on provient tous de cultures différentes. So we all come from a different culture. Et j'adore ça de notre église. Vraiment, on a énormément de cultures différentes représentées dans notre église, n'est-ce pas? And this is what I really like in our church. Et ça montre vraiment la diversité et la beauté, en fait, du corps de Christ partout dans le monde. This shows the beauty of the church all over the world. Donc, on a chacun nos différentes cultures, que ce soit des cultures ethniques, mais aussi des cultures familiales, etc.
So we all have different cultures with our families, our ethnies. Mais on a aussi une culture commune, n'est-ce pas? But we also have a common culture. Et on va justement creuser un petit peu, bah, qu'est-ce qu'est finalement cette culture commune qui nous lie les uns aux autres? And we are going to go a bit deeper in this common culture we all have together. Et quelle est vraiment finalement la culture que le Seigneur veut voir se manifester dans nos vies personnelles? And we will see what the Lord wants, what culture He does want to show in our lives. Et quelle culture il veut voir se manifester aussi dans notre vie collective. And also in our lives as a collectivity. Donc, en parlant de culture, c'est vrai que je peux utiliser même mon propre exemple. So talking about culture, I can just talk about my life. Donc, je suis la fille des pasteurs Robert et Catherine. I am Robert and Catherine's daughter. Qui sont donc d'origine américaine et canadienne. They are from the US and the Canada. Mais je suis née en France, j'ai grandi en France. But I was born in France and I grew here. Donc, c'est en moi-même, dans mon identité propre, j'ai la culture américaine mélangée à la culture française. So in my own identity, I have the American culture mixed with the French culture. Donc parfois, je vais avoir certaines réactions, certaines façons de penser ou façons d'agir qui ressemblent plus à mon côté américain. So sometimes my mindset or my actions are looking more with the American side. Et de plus en plus aussi des éléments qui reflètent beaucoup plus la culture française. And more a lot of things that are reflecting the French culture. Vu que j'ai passé toute ma vie ici. Because I've been here all my life. Et au fur et à mesure des années, j'ai aussi appris que finalement ce que je pensais être la culture américaine n'est pas forcément des choses tirées de la culture américaine. And with the time, I realized that what I thought was from the American culture is not necessarily from the American culture. Mais c'est purement la culture Baxter. But it's just the Baxter culture. Je dis, ah bon, c'est pas tous les Américains qui font ça? Sometimes I was like, oh, it's not all Americans. Oh, le piège, quoi. Enfin, moi, je pensais que c'était tous les États-Unis, mais non. Et donc ça, bah, forcément, ça provient de mon éducation, de toute ma vie, donc de l'âge de 0 à 20 ans. So this comes from where I came from when I grew up. Mais bien sûr, en 2016, je me suis mariée à Monsieur David Placide. But in 2016, I got married to David Placide. Et j'ai commencé aussi à adopter inculquer en fait la culture Placide. I started to adopt the culture. Je m'attendais à des réactions. et donc la culture Placide qui provient aussi finalement de l'éducation de David. This culture comes from the education that David had. Une partie antillaise, une partie française métropole. So a part is from the West Indies, a part is from France. Et aujourd'hui, nous formons notre propre foyer avec nos enfants. And today, together, we have our own household with our et kids. Le mélange de nos cultures ethniques et familiales. And the mix of both cultures, ethnic and from families. Qui crée finalement une nouvelle culture mixte au sein de notre foyer. And this creates a new culture, mixed culture in our household. Mais où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est que on n'est pas seulement le résultat de notre contexte ou nos circonstances. But why do I say that? Because we are not only the result of our circumstances. Parce qu'on peut choisir aussi d'adopter une certaine culture. We can also choose to adopt a certain culture. Ou d'inculquer une certaine culture. Or to teach a certain culture. Par exemple, mes parents donc qui ont été missionnaires donc en France. For example, my parents. That they were missionaries in France. Ils ont aussi cherché à être intentionnels, à d'abord observer la culture française, ensuite la comprendre, l'apprendre et s'approprier finalement. They managed to look at the French culture, to understand it and to get it inside of them as well. Et je pense qu'eux-mêmes ne se rendent même pas compte des éléments français qu'ils ont en eux. And I feel today they don't even realize the Moi, French side that is in them. I can see it. Mais c'est normal après 30 ans de vie en France. But this is normal. Et c'est peut-être le cas aussi pour certains d'entre vous qui ne sont peut-être pas nés en France, mais qui ont passé un bon bout de temps en France. Bah, finalement, vous adoptez des éléments de la culture française. And maybe this is the same case for some of you. Bref, vous comprenez le contexte. Et donc,
que finalement signifie la culture? So what does culture means? On va regarder une définition très basique du dictionnaire. Donc, selon le Larousse, la culture, c'est un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques. So, according to the Larousse dictionary, this is a Un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques. A lot of phenomena that are materials or ideological. Qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. That characterizes a group or a nation. Une civilisation par rapport à un autre groupe. Caractéristiques du comportement. In a social context, we can talk about signs that are defining the behavior. D'une personne qui la différencie d'une autre. That is making the difference from someone to another person. Donc finalement, notre culture, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. So finally, our culture is part of us. Et qui est un élément distinctif, qui nous rend unique. It makes us unique. Et une troisième définition dont auquel je reviendrai un petit peu plus tard, c'est aussi une définition purement, on va dire, agricole ou végétale, c'est-à-dire qu'on peut parler d'une culture végétale, la culture du colza, de tomates ou autre. Enfin, c'est aussi un terme utilisé dans le domaine agricole. So there is a third definition, but we will talk about it a bit later. It's about cultivating the rapeseed, for example. Donc ça, c'est le dictionnaire. Maintenant, quels exemples de culture voit-on dans la Bible? So this was the dictionary. Now, what do we have in the Bible? Alors, c'est vrai que dans la Bible, on ne retrouve pas forcément, souvent, ni même du tout, le mot culture. So in the Bible, we don't necessarily have the word culture. C'est un mot plus moderne, mais on voit des contextes où il y a totalement la notion de culture qui est utilisée. But we do have many contexts in which we see the notion of culture. Je vais faire mention brièvement de deux passages dans le livre des Actes. For example, in Acts, dans chapitre 7, l'auteur donc cite l'exemple de Moïse qui fut éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. It is written about Moses that was educated with all the wisdom of Egyptians. Donc vous connaissez Moïse qui est d'une famille hébreu. So you know Moses, he was Hebrew. Qui a été donc sauvé par la main de Dieu souverainement, qui a été élevé dans le palais de Pharaon. He was saved by God and grew up in a Pharaoh's palace. Donc qui lui a du coup adopté la culture égyptienne. So he adopted the Egyptian culture. Et dans Actes chapitre 9, on lit aussi donc dans le contexte de ce temps, cette époque là du livre des Actes. And in Acts chapter 9, we can also see at that time une partie de la population juive qui donc sont nés en territoire étranger, qui ont appris à parler le grec et donc qui ont adopté une certaine quantité des éléments de la culture grecque. So part of the Jewish people learned about the Greek culture and they also learned about the language. Donc dans tous ces exemples, on voit qu'une culture peut comprendre plusieurs éléments différents. So in all those examples, we can see that we have many different elements in a culture. Une culture peut comprendre des lois, forcément les lois d'un pays par exemple. You can have laws. Des mœurs, des valeurs différentes. Customs, values. Très souvent, une culture peut avoir une langue commune à cette culture. Very often you have the language. Une culture peut aussi représenter un revêtement différent, unique, une apparence unique. The appearance also can be unique, like specific to this culture. Parfois même une odeur unique. And also the smell. Vous avez remarqué des fois, en fonction de comment on a l'habitude de cuisiner, qui sont plus rattachés aux coutumes d'un pays, les aliments avec lesquels on a l'habitude de cuisiner, bah finalement, ça a créé cette odeur et on peut porter cette odeur finalement sur soi, ce qui est vraiment représentatif de notre culture. Sometimes, depending on where we are coming from, the way we cook can just reflect the smell of this country. Mais une culture aussi peut avoir, peut représenter une attitude particulière, un comportement particulier. But a culture can also be a specific behavior. Et une culture peut comprendre des coutumes, des habitudes, des traditions différentes. Customs, values, or traditions that are different.
Bon, ok, Rada, où est-ce que tu veux en venir? Tu as fait un joli exposé sur ce que c'est la culture, mais concrètement, pourquoi on en parle aujourd'hui? Ok, all this is very nice, but why are we talking about that? En fait, la notion de culture en tant qu'enfant de Dieu est extrêmement importante. According to me, culture is very important as a child of God. Pourquoi? Parce que si tu es là, tu as accepté Jésus comme Seigneur de ta vie, tu es enfant de Dieu. Why? Because if you are here, it's that you accepted God and that you are his kid, his child. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es d'office, tu te trouves d'office dans un clash de culture. And as God's child, you necessarily have a culture shock. Pourquoi? Parce que tu as en toi la nature divine de Dieu. Why? Because inside of you, you have the godly nature of God. Tu as été revêtu d'une nouvelle identité. You have your new identity. Tu as la culture du ciel dans ton esprit. You have the culture of the kingdom in your spirit. Mais ta chair est et peut être influencée et environnée constamment de la culture du monde. But your flesh can be influenced by the culture of the world. Donc, dans ce clash de cultures, qu'est-ce qu'on fait? So in this clash of cultures, what can we do? Jésus nous encourage justement à faire cette distinction dans le livre de Jean. On va lire ça ensemble, Jean chapitre 17. So Jesus encourages us to make the distinction, and we're going to see that in John chapter 17. Donc Jean chapitre 17 verset 13 à non pardon, on va sauter à 16 s'il vous plaît. Verse 16. Donc Jean 17 16. John 17 16. Jusqu'au verset 19 si on peut l'afficher. Up to 19. Ils ne sont pas du monde comme moi Jésus, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé, donc c'est Jésus qui parle au Père céleste, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il fait référence à nous, son Église, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. So Jesus tells us we are not of this world, mais nous avons été envoyés dans ce monde. But we were sent in this world. Nous sommes dans le monde, so we are in the world, mais pas du monde. But not from the world. Nous sommes environnés de la culture mondaine. All around us we have the worldly culture. Mais notre culture propre est celle du ciel. But amen. Our own culture is from the kingdom of God. Et avec le Seigneur, c'est soit l'un soit l'autre. And with the Lord, it's the one or the other. Vous avez remarqué, Jésus n'a pas dit on est un petit peu du monde, un petit peu pas du monde. Jesus didn't say we are a little bit from the world, a little bit not from the world. Non, c'est vraiment on n'est pas du monde, même si on est dans le monde. We are not of the world, even if we live in the world. Il y a un seul choix à faire, il y a que deux options. There is only one choice and there are two options. Soit tu adopte et tu manifestes la culture du royaume de Dieu. Either you adopt and you manifest the culture of the kingdom of God. Soit tu adoptes et tu manifestes la culture du royaume des ténèbres. Or you adopt the culture of the darkness. C'est soit l'un soit l'autre. So either one or the other. Il n'y a pas de zone grise. On est d'accord? There is no gray zone. On est d'accord? Do we agree? Amen. Et on retrouve encore une fois cette notion de culture dans le verset Romains 12, chapitre 12, verset 2. And we also have Romans chapter 12, verse 2 that speaks about that. On va le lire ensemble, Romains 12, 2. Romans 12, verse 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. On pourrait aussi dire, ne vous conformez pas à la culture du monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Si vous êtes chrétien depuis un petit peu de temps, if you've been a Christian for a long time, vous pourrez constater justement que la différence entre la culture du ciel et la culture du monde crée vraiment un clash.
You can notice that the difference between the culture of the world and the culture of the kingdom of God creates a clash. Parfois, les choses du culture du ciel ne sont vraiment pas du tout logiques d'un point de vue ou humain ou mondain. Sometimes the things that are from the culture of the kingdom of God seems a bit illogical. Vous l'avez remarqué? Have you noticed that? Le plus petit sera le plus grand. Like the littlest will be the biggest. Le premier sera le dernier sera le premier. The last will be the first will be the last. Attends, c'est quoi ce calcul? C'est pas très logique. Et bien justement, Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages, n'est-ce pas? But God chose the foolish things of the world to shame the wise. Donc dans toutes ces recherches ces dernières semaines, so over the last few weeks, j'ai voulu chercher à comprendre ou voilà, à voir en fait finalement à quoi ça ressemble la culture du ciel. I wanted to find what does it look like to be in the culture of the kingdom of God. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu au sujet de la culture du royaume de Dieu. So I went a bit deeper and I had a look to the culture of the kingdom of God. Et c'était dur parce que j'ai ouvert une boîte de Pandore quoi. Enfin, dès que tu commences des recherches sur le royaume de Dieu, alors là. Pff. And it was very hard because there are too many things. Je me suis éparpillée, j'ai dû vraiment dire OK Seigneur. Montre-moi exactement qu'est-ce qu'on peut partager aujourd'hui pas vu que c'est pas un séminaire d'une semaine. So I asked the Lord to help me to focus on one point because we don't have time to share everything. À quoi ressemble la culture du royaume de Dieu? What does the culture of the kingdom of God look like? Parce qu'on quand on lit les évangiles, on voit que Jésus fait énormément référence au royaume des cieux. Because when we read the gospels, we see a lot of references to the kingdom of heaven. Le royaume de Dieu est proche. The kingdom of God is near. Etc. etc. Donc, qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu? So what is the kingdom of God? Le mot en hébreu donc qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est le mot mamlaka. So in Hebrew in the Old Testament, the word is mamlaka, qui signifie royaume, domination. It means kingdom, domination. Règne ou souveraineté. Reign or sovereignty. Ça vient du mot malak. It comes from the word malak, qui signifie être ou devenir roi ou reine. That means to be or to become a king or king. Occuper le trône. Occupy a throne. Régner. And reign. Donc, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. So the kingdom of God is where God reigns. Et en cherchant justement ce que Jésus dit au sujet du royaume des cieux, and looking at what God is saying, on trouve énormément de passages en fait où la majorité, enfin une grande partie des paraboles qu'enseignait Jésus. We can find a lot of scriptures with the parables. Commence par la phrase le royaume des cieux est semblable à. And it starts with the sentence the kingdom of God is like. Donc Jésus dans ses 3 ans de ministère sur la terre, so Jesus during his 3 years of ministry on earth, a cherché à nous peindre une image de ce que c'est le royaume des cieux. Managed to show us the image. Et pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre pour accomplir la parole. Why? Because Jesus came on the earth to accomplish the word. Pour accomplir la loi et pour annoncer que son royaume était proche. To accomplish the law and to announce that his kingdom was near. Donc, on va regarder certains éléments de ce que Jésus nous explique ce qu'est son royaume. So let's have a look to what Jesus says. On va lire Matthieu chapitre 22. You can turn your Bible to Matthew chapter 22. Vous êtes toujours avec moi? Oui? Ok, Matthieu chapitre 22, donc ça sera un long passage, mais c'est du bon. Matthieu chapitre 22, on va lire quelques versets qui se trouvent entre le verset 1 et le verset 14. Matthieu 22,
Matthieu 22, verse 1 to 14. Matthieu 22, 1 à 14. Donc Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt, venez aux noces. » Verset 5, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, etc. » Verset 8, « Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, dans les quatre coins des rues, et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Verset 14, « Car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. » Alors, cette dernière phrase m'a un petit peu perturbée. So the last sentence got my attention. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ou choisis. Many are called, but a little are chosen. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? What does that mean? Ici, on lit une histoire d'un homme qui a préparé le mariage de son fils, qui invite des personnes spécifiques, mais qui finalement avaient autre chose à faire. So we are reading the wedding of a man's son. He invited people, but those people had something else to do. Donc il s'est dit bon bah je vais pas laisser le mariage vide non plus. So in order to invite some people, étendons l'invitation à tout le village. He asked other persons to come. Donc il y en a qui ont été contents, ok, j'ai mangé un festin gratos. So some were happy to have a free meal. Donc finalement la salle est rempli. So finally, the room is full. Donc, on pourrait croire que, bah, finalement, la parabole pourrait s'arrêter là. We could think that the parable can stop here. C'est une belle histoire. Bon, ceux qui sont invités ne viennent pas. Bah, finalement, Dieu, il donne son invitation à tout le monde. C'est beau. Nice story. Those who were invited didn't come, so God invited other people. That's nice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. But the story doesn't stop here. Le père donc qui a organisé ce mariage pour son fils, the father who organized this wedding for his son, voit une personne. See one person. Je pense que ça devait être vraiment flagrant la différence d'apparence de cet homme-là contrairement à tous les autres convives. I guess that we could very notice the way this person was dressed. On parle d'un festin, etc. On peut imaginer bon. Même nos mariages aujourd'hui étaient nombreux, donc je ne peux pas imaginer à cette époque à quel point voilà, ça devait vraiment être une célébration. Quoi. Surtout qu'il me semble, à cette époque-là, le mariage durait 3 jours. Quoi. Enfin, c'était vraiment une cérémonie énorme. Quoi. I can imagine that the celebration was huge because of what we know about this time. Et parmi toute cette foule de gens, d'inconnus, hein, qui sont venus assister à ce mariage, and among this crowd of unknown people, Le maître de la maison, the master of the house, voit une personne qui n'est pas habillée en vêtements de noces. Notice one person that is not dressed with wedding garment. Et le maître de la maison est outré. And the master is very astonished. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? What does that mean for us? Même si le Seigneur nous invite, even if the Lord invites us, même si on vient aux noces, even if we come to the wedding, il faut savoir honorer la culture du maître de la maison. We need to learn how to honor the culture of the master. Il faut savoir se revêtir de la bonne manière. To know how to dress properly. D'adopter la culture de la maison. We must adopt the culture of the house. On est tous appelés à entrer dans ce merveilleux royaume.
All of us are called to enter in this wonderful kingdom. Mais clairement, le Seigneur nous explique que on n'aura pas forcément tous la culture de ce royaume. But the Lord teaches us that we might not necessarily all have the culture of the kingdom. Donc aujourd'hui, Dieu nous invite. So today, the Lord is inviting us à apprendre à connaître sa culture. To learn to know his culture. À l'adopter, to adopt his culture, la revêtir, to dress with la prendre pour soi, take it for ourselves, pour que on ne soit pas l'intrus dans ce merveilleux mariage, this person that was noticed in the wedding, qu'on ne soit pas vu à plusieurs kilomètres tellement notre revêtement est juste flagrant et sort du lot. That we don't attract the attention because the way we are dressed is completely out of the customs. On veut refléter la culture de notre roi, de notre père. We want to reflect the culture of our father. D'autres paraboles nous enseignent à quoi ressemble sa culture. Many other parables show us how the culture looks like. Un autre verset qui appuie cette première parabole, c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. There is another chapter, Matthew chapter 7, verse 21, qui dit pas tous ceux qui disent Seigneur n'entreront dans le royaume des cieux. That says that not all those who says Lord will enter the kingdom of God. Mais seulement celui qui fait la volonté du Père. But only the one who do his will. Le royaume des cieux ressemble à un lieu où toutes les personnes font la volonté du Père. The kingdom of heavens looks like a place where everyone is doing God's will. C'est là où nous sommes tous soumis à lui. This is where we are all submitted to God. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire Seigneur, de faire ces petites prières, on va dire quotidiennes, ou d'arriver le jour des noces. Because it's not enough just to say Lord or just to go to the wedding day. Non, le Seigneur veut qu'on adopte sa culture, qu'on se soumette à ses valeurs, ses principes, ses lois, ses coutumes, ses habitudes. The Lord wants us to adopt his principles, his laws, his values, his habits. Et vous savez quoi? J'ai lu un verset tellement encourageant dans ce sens. And I've read a verse that is very encouraging. Non seulement Dieu nous invite à rentrer dans son royaume, not only God invites us to enter his kingdom, mais il va beaucoup plus loin. But he go even further. Même peut-être entre guillemets trop loin, enfin, c'est pas maybe too far. Mais ça peut être limite choquant. It can be shocking. Dieu nous dit Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 16 verset 19. In Matthew chapter 16 verse 19. Il parle à son apôtre anciennement nommé Simon, que Jésus rebaptit au nom de Pierre. He talks to his apostle that was Simon and then became named Peter. Matthieu 16 verset 18 et 19. So Matthew 16 verse 18 and 19. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Non seulement est-ce que Dieu nous ouvre la porte à son royaume, the Lord opens us the gates of his kingdom, mais il nous donne la clé. But he even gives us the key. Il nous donne la clé. He gives us the key de la porte de son royaume. Of his kingdom's gate. Enfin, je sais pas, moi, mon cerveau est... C'est, il nous donne la clé de son royaume. He gives us the key of his kingdom. Vous allez me dire, bah non, il l'a donné à Pierre. Bah, en fait, justement, le verset précédent dit, Pierre sur lequel je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est l'église qui détient les clés du royaume des cieux. According to the verse, it means that the church holds the keys of the kingdom of God. Et c'est qui l'Église? C'est nous. And who is the church? C'est us. Vous et moi. It's you and me. C'est chaque enfant de Dieu, chaque racheté de l'Éternel. Every child qui a ces clés dans les mains. We all have those keys in our hands. Et ce qui est incroyable, c'est que si on
on revient en arrière, au verset 17. En fait, on... Oui. And if we go back to verse 17, what is incredible is... En fait, on remarque que Jésus a donné cette affirmation à Simon-Pierre. We notice that Jesus said that to Simon Peter. Après que Pierre, ou anciennement donc Simon, après que Simon ait dit et affirmé l'identité de Jésus. After that Simon said the identity of Jesus. Dans les versets précédents, on lit, c'est là où Jésus demande à ses disciples que disent les gens à mon sujet. In the previous verses, Jesus asked his disciples, what do people say about me? Certains disent que tu es bon enseignant, d'autres disent que blablabla. Some say you're a teacher, etc. Et là, Jésus regarde ses disciples dans les yeux et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? And then Jesus asked his disciples, who do you say I am? Et il y a un disciple qui a dit, and one said, la vérité au sujet de Dieu, qui avait vraiment reçu cette révélation de qui était vraiment Jésus. One caught the revelation of who Jesus was. Et Simon dit, tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. And Simon said, you are Jesus, the Son of the Living God. Et Jésus dit, waouh, là, mon disciple a compris quelque chose. And Jesus was like, wow, he understood something. Il a capté quelque chose sur ma culture. He got something about Jesus' culture. Sur mon identité. About Jesus' identity. Et là, Jésus rebaptise Simon en Pierre. And this is where Jesus named Simon Peter. Lui donne l'appel de sa vie. He gave him the calling of his life. Annonce ce qu'il va bâtir sur la terre, son église. He tell him what he will build on his on earth, his church. Et annonce l'autorité qu'il va doter à cette église. And the authority that he will give to this church. Nous avons les clés du royaume des cieux. We do have the keys of the kingdom of heaven. Wow, c'est tellement bouleversant, je ne sais même pas comment comment enchaîner. Est-ce que nous avons compris qui est vraiment Jésus? Have we understood who Jesus is? Est-ce que nous avons compris sa culture? Have we understood his culture? Est-ce que nous avons vraiment cherché à apprendre à le connaître? Are we really looking to know how to know him? Parce que finalement, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Because finally, what does the kingdom of heaven look like? J'ai vraiment posé cette question sincère au Seigneur hier. J'ai dit, OK, Seigneur, montre-moi, à quoi ressemble ton royaume? I asked the Lord yesterday to show me that. À quoi ressemble la culture de ton royaume? What is the culture of your kingdom? Le royaume de Dieu, the kingdom of God, c'est là où tout le monde ressemble à son roi. It is where everyone looks like his king. Là où tous les convives des noces sont habillés de la même façon que le maître. This is the place where all the people of the wedding are dressed the same way. Donc si tu veux apprendre à connaître le royaume de Dieu et à quoi ça ressemble, so if you want to learn how the kingdom of God looks like, apprends à connaître le roi qui détient ce royaume. Learn to know the king. Apprends à connaître comment il son apparence, son ses valeurs comme je disais, sa culture. Learn how to know him, his value, his culture. En creusant un petit peu. Donc finalement, on sait que ok, on doit apprendre à connaître la culture de Dieu. Et je pense vraiment que l'appel de Dieu aujourd'hui pour nous, c'est non seulement apprendre à connaître sa culture, qui ne peut se faire qu'à travers sa parole. So I really think that the calling of God today is that we know how to know His culture. Donc à travers sa parole, qui nous explique finalement tout à son sujet, n'est-ce pas? That explains everything about him.
Donc c'est à travers sa parole qu'on va apprendre à le connaître. So through his word we will learn how to know him. Connaître sa culture. His culture. Mais aussi dans l'intimité avec lui, et on va y revenir dans une minute. But also in intimacy, and we'll go back to that after. Et une fois finalement qu'on apprend à connaître la culture de Dieu, ça c'est, on va dire, c'est la première étape. So this is the first step, but once we learn how to know the culture of God, la deuxième étape c'est aussi adopter sa culture. The second step is to adopt his culture. OK, donc premièrement, j'apprends à connaître sa culture. So first, I learn how to know his culture. Deuxièmement, j'apprends à la revêtir, l'inculquer dans ma vie. Secondly, I learn how to show it in my life, the way I am dressed. Et c'est tout, je profite bien de ma vie. And that's all. Non. No, not really. Il y a une troisième étape. There is a third step. Parce que tout comme sa parole dit, il nous a donné les clés de son royaume. Because like the verse was saying, he gave us the key of his kingdom. Et je vais y revenir. Le Seigneur continue en disant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. And the Lord goes on and says that what you will bind on earth will be bound in heavens, and what you will bind in heavens will be bind on earth. Donc, il y a vraiment ce rapport entre le ciel et la terre. So there is something special between earth and heaven. N'est-ce pas? Donc, avec ces clés, il nous donne pas ces clés juste pour le mettre sur notre petite étagère comme ça. Ouais, j'ai la clé. So the keys are not just to say, oh, I have the key. C'est voilà, c'est quand vous invitez des amis à la maison, ah, vous avez vu, j'ai une belle clé, j'ai la clé du royaume. It's not to put on our wall at home and show our friends. C'est pas juste une œuvre d'art, même si elle doit être magnifique cette clé. Non, ça sert à quelque chose, n'est-ce pas? This key has a purpose. Il y a une action à faire avec cette clé. There is something to do with this key. Donc quand j'adopte la culture de Dieu, c'est pas juste pour bien profiter de ma vie et me dire OK, super, j'ai la culture de Dieu, voilà, c'est top. So when I adopt the culture of God, it's not just to say like oh, that's cool, I have the culture Quelle of God. Quelle est la prochaine étape? What is the next step to that? Utiliser cette clé. We must use this key. Le Seigneur veut qu'on utilise cette clé, cette autorité qu'il nous a donnée en tant qu'Église, en tant que son épouse. The Lord wants us to use this key as authority, as His church, His spouse, pour avoir un impact sur la terre. In order to influence the earth. Donc la culture que j'ai appris à connaître sur la culture de mon père, sur la culture de mon roi, et que j'ai adoptée pour moi. So the culture I learned from my father and that I adopted, Dieu veut que j'utilise pour influencer la culture du monde. God wants me to use it to influence the culture of the world. C'est pas juste pour notre bien, c'est pas juste pour qu'on puisse vivre une vie victorieuse. It's not just for our well-being or to be victorious. C'est pour lier certaines choses sur la terre et délier certaines choses sur la terre. It's to bind stuff on the earth. C'est pour lier les actions du malin sur la terre et délier les actions de l'esprit sur la terre. Is to take action in the spiritual world. Donc comment faire? So how do I do that? Comment faire pour influencer la culture du monde? How do I influence the culture of the world? Premièrement, il y a certaines choses qu'il faut qu'on fasse dans notre vie personnelle, dans notre culture personnelle. First, we have a work to do in our own culture, our own lives. Quelle est la culture que tu veux bâtir au sein de ta vie, à toi? What culture do you want to build in your life? Quelles sont les valeurs que tu veux appliquer dans ta vie? What values do you want to apply in your life? Quelles sont les bonnes habitudes que tu veux adopter? What good habits do you want to adopt? Quelles sont les mauvaises habitudes que tu veux délaisser, que tu veux déraciner? What bad habits do you want to leave? Mais aussi dans ta vie familiale. But also in your family. Quelle culture tu veux développer dans ton foyer? What culture do you want to develop in your household? Dans ta famille proche ou élargie? In your family, the close family or... Quelle culture veux-tu inculquer et manifester dans tes zones d'influence?
What culture do you want to manifest in your area of influence? Dans ton travail? In your work? Au sein, parmi tes amis? Among your friends? J'ai creusé un petit peu, bah finalement, comment développer une culture? How to develop a culture? Et j'ai trouvé un document hyper intéressant. I found a very interesting document. Sur comment développer une culture végétale. Talking about develop végétal? Agricultural, you can say. Culture. Yeah. Et c'était hyper intéressant. And it was very interesting. Vous avez déjà remarqué à quel point le Seigneur peut nous enseigner énormément de choses à travers ce qu'il a créé sur la terre. Have you noticed how many things the Lord can teach us through his creation? Donc on va prendre 2 minutes pour regarder ça parce que j'ai vraiment trouvé des clés dans un document scientifique en fait. So we'll just take 2 minutes to have a look to this document. Parce qu'il y a vraiment des clés sur comment fonctionne finalement une culture terrestre, donc matérielle, agricole. Because we can find keys regarding how the management of the crop works. Mais comment l'appliquer dans notre vie spirituelle. But also how to apply it in our spiritual lives. Donc, je ne sais pas si les gars, vous pouvez afficher le document que je vous ai envoyé. Ça peut être bien qu'on puisse lire ensemble les passages surlignés. Vous inquiétez pas, on va pas tout lire, c'est des pages et des pages. Donc comment effectuer, en fait, travailler une culture, développer une culture. So how manage a culture? Donc si on peut l'afficher, c'est top. Sinon, c'est pas grave. Donc la conduite de la culture. So the crop management. De nombreuses méthodes culturales conviennent au jardin potager. Dans chaque méthode, l'exploitant du jardin doit surveiller... On reprend. De nombreuses méthodes culturales conviennent au jardin potager. So there are many ways to work the vegetable garden. Dans chaque méthode, l'exploitant du jardin doit surveiller les différentes parties du système. So the person who take care of the garden must have a look to the system. Donc les différentes parties du système, le sol, l'eau, les mauvaises herbes et les cultures. So the different parts, the ground, the water, the weeds and cultures. Afin que pour chaque culture, le jardin donne et continue à donner un rendement aussi élevé que possible. For the vegetable garden to have efficiency as much as possible. Cela signifie que l'exploitant doit prendre en compte la production future du jardin potager. It means that the worker must anticipate the future of the garden. Qui a un potager ici? Who has a vegetable garden here? Ou vous faites pousser des plantes ou des choses comme ça. Or you have plants in your house. Il y en a sûrement quelques-uns, non? N'ayez pas honte. Moi, j'adorerais faire pousser un potager. Dès que j'ai le temps et que mes enfants sont assez grands pour apprendre à faire ça, on va le faire ensemble. Ce texte nous explique que quand on commence à travailler la terre, il faut penser à la production future. So this text shows us that when we start working the ground, we must anticipate the future. On doit surveiller chaque partie du système. Ah ouais, ouais, ouais. Vous arrivez à lire, hein, clairement. Bon, c'est pas grave. on va oublier. Hein. Je sais pas si vous pouvez zoomer au début, mais sinon c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je vais un peu accélérer la chose. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ce passage nous dit, c'est ce que ça peut nous révéler, c'est qu'il faut veiller à toutes les différentes parties de comment on va travailler la terre de nos cœurs, nos vies. So we must take care of all the different parts of how we're going to work the ground of our hearts. Qu'est-ce que représente le sol? What does the ground stands for? Le sol représente le terrain. It stands for the ground. qui représente ton âme. That is our soul.
ta vie, our lives, tes zones d'influence, and our influence areas. Ensuite, on lit que la culture dépend d'une bonne gestion du sol et de l'eau. Then we read that it depends on a good management of the ground and the water. Parce que ces deux facteurs créent des conditions idéales pour le développement des conduites des cultures, pardon. Because those two factors are very important for the development of the cultures. La conduite de la culture commence par la préparation de la terre. The crop management starts with the preparation of the ground, suivi de la plantation ou du semis. And then the planting. Donc, il y a un travail à faire même avant de semer la graine, n'est-ce pas? So there is a work to do even before sowing the seed. Et la, Jésus lui-même en parle. And Jesus talks about it as well. Vous penserez peut-être à la parabole du semeur. You will maybe think about the parable of the sower. Sower. Le semeur jette des graines un peu partout. So the sower throws seeds a bit everywhere. Mais c'est uniquement dans un terrain sain et fertile. But only in a holy ground. Que la semence peut porter du fruit. The seed can bear fruit. Ensuite, les outils qui conviennent pour cette opération existent dans la plupart des communautés paysannes et sont souvent fabriqués par le forgeron du coin. So then, the tools that are used for this operation are in most of the farming communities, and they are made by the blacksmith. Le forgeron du coin qui n'est nul autre que le Saint-Esprit. So the blacksmith stands for the Holy Spirit. C'est lui qui crée les outils perfectionnés au travail de la culture. He creates those tools for the work of the culture. Donc demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi les outils pour me montrer comment développer une culture. Let's ask the Holy Spirit, give me the tools to develop a culture. La culture du royaume. The culture of the kingdom. On lit ensuite que si on veut transférer une plante, il faut essayer de perturber le moins possible son système. Et que si on veut donc transférer une plante de son premier lit à un lit où il peut se développer davantage, il faut surtout protéger les racines. So then it says that if we want to protect the seed in order for it to develop, we need to not interfere in the root system. Il faut protéger les racines de la culture que tu veux développer. We must protect the roots of the culture we want to develop. Plus les racines d'une plante seront fortes et épaisses et en bonne santé, the stronger the seeds will be. Plus grand l'arbre pourra pousser, la plante pourra pousser, et plus l'arbre ou la plante pourra porter du fruit. Amen. The more the tree or the plant will be able to grow and to bear fruit. Une fois semées ou transplantées, les plantes ont besoin de soins. So once planted, the seed, the plant needs to be cared of. Donc la culture qu'on veut développer, la culture du ciel qu'on veut développer dans notre vie a besoin de soins. So the heavenly culture we want to develop in our lives needs care. Autrement dit, de l'intention. In other words, it needs intention. On a lu tout à l'heure que il faut faire un choix entre quelle culture tu veux adopter, inculquer et manifester dans ta vie. We must make a choice towards what culture we want to adopt in our lives. C'est soit l'un, soit l'autre, soit le ciel, soit les ténèbres, n'est-ce pas? Either the kingdom of God, either the darkness. Si on n'est pas intentionnel dans notre façon de développer la culture du royaume de Dieu dans nos vies, if we are not intentional in the way we develop the culture of the kingdom of God in our lives, cette culture va mourir. These cultures will disappear, will et die. Qu'est-ce qui va prendre sa place? And what will take its place? La culture du monde. The culture of the world. Il faut enrichir le sol avec des éléments fertilisants et lutter contre les ennemis des cultures. We need to take care of the ground with fertilizer, and we must struggle. We must fight against
the enemies of the culture. C'est drôle, hein, on pourrait lire ça dans la Bible, mais c'est un texte scientifique. It's funny because we could read that in the Bible, but this is a scientific text. Enrichir le sol. So to enrich the ground. Lutter contre les ennemis des cultures. To fight against the enemies. Parce que quotidiennement, on recevra des attaques des ennemis de la culture du ciel. Because on a daily basis, we will have attacks from the enemies. Mais il faut prendre soin de ce jardin. But we need to take care of the garden. Prendre soin de cette culture que le Seigneur que le Seigneur nous a confiée. We must take care of this culture that the God entrusted us with. Pour qu'elle porte du bon fruit. So that it bears good fruit. Donc, quelle culture veut-on développer? So, what culture do we want to develop? Quelle culture veux-tu développer dans ta vie? What culture do you want to develop in your life? Dans ta vie familiale, in your family, dans tes zones d'influence, in your influence areas, ta famille spirituelle, in your spiritual family. Je vais inviter le pasteur David à venir sur le devant. Dans notre temps de prière ce matin, il a reçu certains passages qui ont vraiment qui allaient parfaitement en fait avec la fin de mon message. Vas-y, tu peux venir. So while I was praying with David this morning, he received some passages that goes well with the message. La question ici, c'est quelle culture est-ce qu'on veut développer? So the question is, what culture do we want to develop? Et comment la développer dans notre vie? And how to develop it in our lives? Donc c'est dans Éphésiens 4. So in Ephesians 4. Au verset 17. Donc ce matin, c'est ce que j'étais en train de lire. Ephesians 4, verse 17. Et on parle de la vie nouvelle en Christ. And it talks about the new life in Christ. Donc la version que je vais lire, c'est Parole de vie. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que le cœur est fermé. Et la notion ne participe pas à la vie de Dieu, je dis tiens, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas participer à la vie de Dieu? So the notion do not participate to the life of God in this verse, I was like, what does that mean? Du coup, j'ai regardé une autre version. So I looked to another version. Donc c'est Louis II. Louis II. Donc au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc là, on parle d'être étranger à la vie de Dieu. So in this verse, in this version, they talk about being foreigners. To the life of God. Donc vous connaissez à me connaître, j'aime bien regarder les origines des mots. So you know me, I went back to the origin of the world. Et le mot étranger, c'est en grec apalotrio. And in Greek, foreigner is what he said. Ça se dit pareil en anglais. Apalotrio. Apalotrio. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est être privé d'une amitié. And it means not to have a friendship. Être privé d'une intimité. Being deprived from intimacy. Donc si on n'est pas dans la culture du royaume. So we, if we are not in the culture of the kingdom. Si on ne cultive pas cette culture. And if we don't cultivate this culture. On se prive nous-mêmes. We are being deprived ourselves. D'une intimité. Of the intimacy. Et d'une amitié. And of a friendship of God. Est-ce qu'on peut mettre un fond musical, s'il vous plaît? Alléluia. Hier, je suis allée me promener dans les champs près de chez moi. Yesterday, I went for a walk close to my house. Je fais ma marche rapide du matin. Et c'est souvent aussi mêlé à mon temps de prière. And most of the time when I do that, I pray as well at the same time. Donc je reflétais un petit peu sur voilà le thème de ce matin, etc. Et je demandais vraiment au Seigneur de me donner une révélation vraiment concrète et profonde
sur cette notion de culture. So I was thinking about what I was going to share this morning and I was asking the Lord to give me a revelation on the theme. Et il m'a montré vraiment une image qui m'a frappée. He showed me something that amazed me. J'ai imaginé le Seigneur Jésus. I imagined the Lord Jesus qui s'approchait de moi. That was coming close to me. Qui s'approche et qui me regarde comme ça. And he was looking at me. Un regard un peu intrigué. He was a bit surprised. Et il dit bonjour, enchanté. And was like, hello, nice to meet you. Tu viens d'où? Where are you coming from? Tu ressembles pas à d'où je viens. You don't look like where I am coming from. Tu viens d'où? Where are you from? Et ça m'a transpercé le cœur. And I was so sad. Mon désir le plus profond, because my biggest will, c'est que Jésus, quand il vient me voir, is that when Jesus comes to me, à la fin de ma vie, at the end of my life, il dise ah bonjour. I want him to say ah hello. On se ressemble, on dirait. Oui, you look like me, we look like each other. Tu parles comme moi. You speak like me. T'as les mêmes vêtements que moi. We are dressed the same way. Tiens, on dirait qu'on a les mêmes habitudes. It seems like we have the same habits. La même culture. The same culture. Viens, on rentre à la maison ensemble. Let's go home together. Qu'est-ce que le Seigneur te dira quand il te verra? What will the Lord tell you when he'll see you? Quand il revient sur la terre. When he'll come back to on the earth. Va-t-il voir dans ta vie? Will he see in your life? Les choses qui reflètent sa culture? The things that reflect his culture? Ses valeurs? His values? Sa nature? His nature? Son identité? His identity? Ou va-t-il te regarder comme il a vu cet étranger aux noces? Or will he look at you like a foreigner, like in the wedding we? Mais que fais-tu là? Tu n'es pas habillé pour des noces. Saying, what are you doing here? You're not dressed for a wedding. Le royaume, c'est là où les habitants ressemblent au roi. The kingdom is the place where the people looks like the king. Et comment ressembler au roi? And how do we look like the comment king? Comment faire? How do we do that? Dévorer sa parole quotidiennement. Have hunger for his word. Et répondre à cet appel aujourd'hui d'intimité. And answer his calling for intimacy this morning. C'est dans l'amitié, c'est dans la relation. It is in friendship, relationship. Dans cette intimité, dans ce lieu secret. In the intimacy, in the secret place. Que le Seigneur nous partage. That the Lord share. Les mystères de sa culture. That he shares the mystery of his culture, de son identité, of his identity, qu'il nous montre comment lui agit. It is in that place that he shows us how he acts, comment lui réfléchit, how he thinks, comment lui veut que nous agissons, how he wants us to act. C'est dans ces moments-là qu'il transforme toutes les choses qui reflètent la culture mondaine en nous et qui déracinent pour implanter ces semences divines. This is where it changes you to and take the roots, the bad roots, to implement his divine identity. C'est dans cette intimité, in this intimacy, qu'on apprend à semer les bonnes semences dans notre terre. This is where we learn how to seed the good seeds. Et à porter du fruit. And how to bear fruits. À utiliser cette clé qu'il nous a donnée. This is where we learn how to use this key he gave us. Pour ouvrir la porte. To open the door. Au monde entier. To the whole world. Car le monde a besoin de cette culture du ciel. Because this world really needs the culture of the kingdom. C'est dans ces moments d'intimité
qu'on est transformé pour manifester la culture du ciel. This is in intimacy that you are transformed. Pour influencer toutes ces zones dans lesquelles le Seigneur nous a placés. To influence all the places where the God put us. Ne sous-estimons pas là où Dieu nous a placés et les incroyables opportunités qu'il nous donne quotidiennement pour influencer la culture autour de nous. Let's not underestimate the places where God put us. Est-ce que je peux avoir les équipiers de prière, s'il vous plaît, sur le devant? Et vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. You can stand. Si on peut avoir les équipiers de prière sur le devant, s'il vous plaît. J'aimerais avoir deux espaces. Si les équipiers peuvent se tenir sur un côté de l'avant. Et de l'autre côté, on va laisser libre. Et c'est vraiment le moment d'agir. C'est le moment de dire, OK, j'ai reçu ton invitation. Je viens aux noces. Et je m'apprête à ces noces. It's time to respond. Okay, I received your invitation and I want to be ready for this wedding. C'est un appel à le connaître. It's a calling to know him more. Si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, if you don't know him yet personally, aujourd'hui est le jour. Today is the day. Où tu peux décider d'apprendre à connaître Jésus. It's the day you can decide. De façon personnelle et intime. To meet Jesus and know him with intimacy. Et décider d'adopter sa culture. And it's the day you can decide to adopt his culture. Et pour tous les autres qui connaissent déjà le Seigneur, c'est un appel à aller plus loin dans l'intimité. And for those of you who already know the Lord, it's a calling to go further. Tu sens au fond de toi que le Seigneur t'appelle à faire un pas vers lui ce matin. You feel in your heart that the Lord is asking you to step. À déraciner certaines choses dans ta vie aujourd'hui qui ressemblent beaucoup trop à la culture mondaine. To get rid of the bad rules that are looking like the worldly culture. Aujourd'hui, today, le Seigneur veut déraciner ces choses. The Lord wants you to get rid of those bad roots. Et implanter ses semences. And he want to implement his seeds instead. Donc c'est le moment de s'approcher. Si vous voulez tout simplement faire un pas vers le Seigneur, je vous invite vraiment à venir sur le devant et juste vous mettre à l'autel. So if you want to step towards the Lord, I really invite you to come up front. Le Seigneur nous invite souvent à faire un acte, un geste physique pour engager notre être entier dans la décision qu'on prend aujourd'hui. Often the Lord invites us to make a physical act to engage. Et si vous avez besoin de prières quelconques, if you need a prayer, par rapport aux sujets qui ont été abordés ou autre chose, for this topic or other topics, ou si tu veux donner ta vie à Jésus et le connaître vraiment et tu ne sais pas comment faire, or if you want to give your life to Jesus and you don't know how, ces équipiers de prière sont là, sont formés pour vous accompagner. Those people here can accompany you. Alléluia, Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Lord Jesus, we come to you this morning. Nous voulons ta culture, Seigneur. We want your culture. Opère, Seigneur, opère dans le terrain de nos cœurs, Seigneur. Manifest in the ground of our hearts, Lord. Tu es le jardinier par excellence. You are the gardener of the best. Tu sais exactement, Seigneur, comment travailler notre terre. You know exactly how to work with our ground. Ce que tu veux y voir, ce que tu veux voir disparaître. You know what you want to see disappear. Je t'invite maintenant, Jésus, dans mon cœur à venir et I invite you in my heart, Lord. Et travailler la culture de ma vie. And do your will and work the culture of my life. Je veux te ressembler, Seigneur. I want to look like you. Je veux te ressembler. I want to look like you. Je veux que tu vois en moi. I want you to see in me. Un reflet de ton image. A reflection of your image. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. J'aimerais vraiment insister sur l'appel à l'autel de Pasteur Rihanna. I really want to insist on this calling. Pendant que Pasteur Rihanna donnait sa vision, while she was giving her vision, je voyais une horloge. I saw a clock. Et il y a vraiment une accélération dans le monde, un déferlement de l'ennemi. And in the world there is like a speed up of the enemy's actions. Et chanter comme si que le Seigneur nous permettait de faire un petit ralentissement.
And I was feeling like the Lord was allowing us to have a small slowness. Pour permettre à son Église to allow his church de se reconsacrer. To reconsecrate. Pour permettre aux gens qui ne l'ont pas entendu for the people who haven't heard about him de l'entendre. Can hear him. Pour permettre à ceux qui n'ont pas pris de décision, so that the people who haven't taken a decision yet de prendre cette décision can de take suivre. This decision to follow him. C'est un court instant. It's a very short period of time. Après, ça va redémarrer, ça va repartir. Because after that, the normal speed up will start again. Donc, ne loupez pas ce moment. So don't miss that moment. Ne loupez pas ce moment. Don't miss this moment.